Bonjour et bienvenue dans Nostro Milan, le nouveau podcast de Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Adri et Yann. Bonjour les gars. Salut. Salut, salut. Le Milan s'est imposé 2-0 dimanche pour le compte de la 28e journée du championnat. Ouverture du score à la 76e minute de Rebic, puis Hakan Çalhanoğlu fera le break à la 89e minute sur un pénalty provoqué par Théo Hernandez. Enfin, pour finir, un point sur le classement avec le match nul de l'Hellas Vérone chez Sassuolo 3 partout et la défaite de Parme contre l'Inter, AC Milan se retrouve seul à la 7e place qualificative pour la Ligue Europa. Adri, qu'as-tu pensé de ce match ? Bah, c'était long comme match, surtout en première mi-temps où bah, il a fallu attendre de la 26 minutes pour déjà avoir une action, et c'était côté Rome, avec la tête de Dzeko quand il s'est faufilé entre Romagnoli et Kier, il me semble. Mais ouais, pour attendre une première action de Nice, c'était la 38e minute, avec la tête d'Akan là, qui est passée au-dessus. Mais c'est vrai que ouais, entre la première mi-temps, il y a beaucoup de déchets côté milanais, fond de jeu. Alors ouais, il y a eu la possession en première mi-temps, bilan, ils avaient 56%. Mais ouais, ça construisait pas forcément. Enfin voilà, il y avait pas de fond de jeu, quoi. Ça passait des longs ballons pour Rebic. Ils avaient du mal à se trouver, les Milanais. Mais ouais, il y avait la possession, mais c'était stérile, quoi. En deuxième période, c'était mieux par contre. Niveau construction de jeu, on n'a rien. On n'a pas de fond de jeu. Je vois pas un schéma tactique qui est réutilisé pour repartir de l'avant, pour aller attaquer, pour aller titiller, si on peut dire ça comme ça, le but adverse. Et ça, je trouve vraiment dommage. Après, on va peut-être pouvoir revenir après. J'ai noté une organisation tactique assez intelligente et bien réfléchie de la part de Pioli en fonction du jeu de l'équipe adverse et de la Roma ici, en l'occurrence. Et ça, on va en revenir très certainement plus tard, je pense, mais ça m'a vraiment marqué et j'ai envie... Il sera pas dans mes tops, mais Pioli et son staff, j'ai quand même envie de leur donner un petit plus. Ouais. Que ça soit dans la préparation physique déjà. Je trouve que déjà la semaine passée face à Lecce, j'ai trouvé que nos joueurs étaient vraiment en jambes par rapport à ceux de Lecce qui, au bout de 40 minutes, tiraient vraiment la langue. Et ensuite, là, hier aussi, j'ai trouvé face à la Roma que les joueurs étaient vraiment en jambes et puis physiquement, ça tenait vraiment bien la route. Donc là, félicitations à Pioli et puis à l'équipe de préparateurs. Je suis d'accord. Bon, on peut en parler maintenant, je pense, de Pioli. Moi, j'ai trouvé que la première période a été stérile. C'était un non-match sur la première période. Très peu de projections vers l'avant. Comme tu dis, première action. Et quand on te dit première action, c'est, je sais pas si on peut compter celle de... C'est Bonaventura, je crois, qui fait un tir dans les tribunes. Mais première véritable action de la CAN à la 38e, mais jusqu'à la mi-temps, très stérile. En revanche, pour le coup, on peut vraiment saluer le double changement de Pioli dès le début, tu vois, 53e minute. Et c'est intelligent parce que là, depuis le coronavirus, on passe à 5 changements par match. Donc, tu peux te permettre de faire un double changement parce que forcément, que deux joueurs qui rentrent avec du peps, deux joueurs offensifs, le jeu va tout de suite s'accélérer. Et on l'a vu que le double changement de Pioli a été décisif. Donc, c'est à saluer. Je suis d'accord avec toi, Yann. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Yann tout à l'heure, c'est que en deuxième mi-temps, c'est vrai que quand tu as eu les changements, Paqueta, quand il est rentré à la place de Jack, qui s'allait maker à la place de Castillo, c'est vrai que tout de suite, dès la 53e minute, c'était un autre match, en fait. De Milan, il y avait plus de construction, ça se trouvait, il y avait plus de rythme. Ouais. Les entrées ont été faites. Et, c'est vrai que là, c'était un autre Milan, quoi, un deuxième visage. Rien à dire, Pioli. Peut-être Léao, j'aurais voulu le voir plus tôt aussi, parce qu'il le fait rentrer assez tard aussi, je crois, 77e minute. J'aurais aimé le voir, mais après, il n'a rien apporté. On reviendra sur Léao après. Ouais. Mais il n'a pas apporté grand-chose. Mais je pensais qu'il allait le faire rentrer un peu plus tôt, du coup. Ouais. Après, ce qu'on peut rajouter aussi sur le match, c'est que je trouve que le Milan, quand ils ont marqué, et ça s'est confirmé, ça a confirmé ça après le match contre Lecce, mais lorsqu'on a marqué, on n'a pas reculé, alors que c'était la Roma. On a continué à attaquer malgré le but de Rebic. Contre Lecce, c'était la même chose. À mettre le deuxième but, parce qu'on avait pris un but contre Lecce, à mettre le deuxième puis le troisième. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu à Milan depuis un moment. La Roma était complètement éteinte en deuxième période. C'était impressionnant de voir Milan maîtriser ce genre de rencontre.
belle prestation, en tout cas en deuxième période pour les Milanais. Première mi-temps, beaucoup de monde crache sur cette première mi-temps, mais moi j'ai vraiment retenu de cette première mi-temps qu'on a, on a eu deux, nos deux ailiers, en l'occurrence Castillero et Hakan, ont fait un travail absolument incroyable sur les ailes pour revenir à chaque fois et couvrir au cas où Théo et Conti se faisaient dépasser. Et ça a été très, très important. Et d'ailleurs, la première action romaine, parce qu'on sait que le jeu de Rome passe souvent par les ailes, vraiment bien les centres et pour aller chercher la tête de Dzeko. Et c'est vrai que Hakan et Casillero ont très bien couvert les ailes. Et ça, je trouve que c'est vraiment à noter sur cette première période. Je suis période. D'accord avec toi. Et ouais, la seule fois où on s'est fait surprendre par Dzeko à la première occasion, à la 20e minute, cette fameuse première occasion, c'est une où Castillero n'a pas réussi à venir. Kessié qui essaye de prendre la place de Castillero en défense était aussi dépassé. Et là, on a tout de suite été mis en danger par la première action romaine. C'est vrai que Hakan et Castillero récupéraient des ballons très bas. Ils lançaient les contre-attaques assez bas, c'est vrai. Je suis d'accord. On va passer au et top. Même... Vas-y, pardon. Dis-moi. Vas-y, Yann. Même en fin de match, j'ai trouvé incroyable qu'un Hakan. Après une période, par ça, c'est comme si on venait de débuter la saison, qu'à la 80e minute, je crois, il tape encore un retour pour aller couvrir justement Théo qui était monté. Et ça, c'est vraiment, je tiens à saluer le travail physique qui a été fait par toute l'équipe de Pioli. Ok, parfait. Donc, on va continuer avec les tops, les gars. Adri, je te laisse commencer par tes tops. Déjà, moi, en top, en homme du match, j'ai mis Rebic. Hein. Pour le coup, c'est vrai qu'au début, voilà, on avait un peu de mal. Parce qu'il voilà, il y avait beaucoup d'actions qui étaient ratées, beaucoup de déchets. Et là, c'est que depuis un petit moment, déjà, voilà, il plante. Et il est important aussi dans le jeu. Quoi. Donc, et en top aussi, voilà, j'ai mis la charnière. Avec Romano Liquière, voilà, derrière, c'était vraiment costaud. Ils se sont fait dépasser peu de fois. Et puis voilà, c'est vrai qu'en première mi-temps, la Roma, ils ont eu 4 frappes. Et ils finissent le match avec 5 frappes. Donc en deuxième mi-temps, voilà, il n'y a eu qu'une seule frappe. C'est vrai que là, comme j'en reviens tout à l'heure, hein, c'est que pour le coup, Milan, ils ont vraiment bien dominé la deuxième mi-temps. Et voilà, c'est vrai qu'on l'a vu, c'est pas pour rien que, voilà, qu'on n'a pas pris de but, parce que c'est vrai que la charnière derrière, Romagnoli et Kier, voilà, ils ont été vraiment costauds. Pareil en top, j'ai mis Donnarumma. Alors, on l'a pas eu beaucoup, hein, mais c'est qu'il y a eu 2-3 actions qui étaient chaudes. Il a su être présent. On lui a fait du Donnarumma, quoi, rien à dire sur lui. Et, ça, c'est vraiment les tops, pour le coup. Ok. Pas de mention honorable Si, moi, je mettrais Kessié. Honorable. C'est vrai qu'on l'a, je l'ai peu vu comme ça dans cette saison. Il était plutôt défensif. Alors, t'as vu ça qu'on le voit plutôt sur l'avant, à tenter des frappes, choses comme ça. Et là, j'ai trouvé plus sur la retenue, vraiment plus concentré sur le rôle défensif, quoi, si tu veux. Et j'ai bien aimé, c'est vrai qu'il a eu quoi? Il a eu d'avoir une frappe sur la demi-volée, là, qui marque après. Je trouve que c'est assez incroyable, il me semble. C'est ça. Ouais, voilà, ouais. Donc, ici, pour le coup, ouais, j'ai bien aimé son match. C'est vrai que pas de ses prestations d'habitude, mais là, ouais, là, il m'a plu. Là, j'ai bien aimé le travail qu'il a fait. Ok. À toi, Yann. Alors, pour moi, ça paraît logique, je pense qu'on est tous d'accord. Kier, pour moi, c'est en défense, c'est la classe, c'est l'expérience. Je trouve qu'il a une prestance sur le terrain, toujours la tête haute. Et de la tête, il prend tout. Il n'y a rien qui passe. Au niveau de la relance, il a une qualité de relance qui est vraiment excellente. Impressionnante. Une qualité de relance. Et comme dit, il est toujours vraiment avec la tête haute quand il a le ballon. Et on a l'impression qu'il voit tout le jeu et qu'il pose des transversales. Quelque chose qui nous manquait pour moi depuis un moment à Milan, de personnage qui puisse comme ça changer le jeu tout à coup et puis relancer. Et ses relances sont pratiquement... toutes parfaites, elles arrivent sur un de nos joueurs. Et ça je trouve que c'est vraiment, vraiment incroyable. Et je ne pensais vraiment pas, en le voyant arriver au mois de janvier, que ce joueur qui allait pouvoir nous apporter tant, que ce soit la solidité défensive et au niveau de la relance. Ensuite, moi, j'ai Hakan, j'ai adoré ça. Je ne suis vraiment pas du tout fan du joueur de base, mais j'ai vraiment adoré sa prestation. Comme dit, il était partout, il était en défense à la 80e minute et il vient encore suppléer Théo sur une contre-attaque romaine. Et petit bonus, il va encore nous mettre un penalty. Franchement,
J'ai aussi rien à dire et je suis aussi très étonné depuis quelques matchs de ses prestations. Je trouve vraiment. Il manque quand même encore beaucoup de choses. Et ça, c'est quand même à souligner oui. que c'est pas parfait. Pour vraiment le mettre homme du match, non. Sa tête en première mi-temps, il n'y a pas le droit de rater une occasion pareille. C'est vraiment les petites choses encore qui lui manquent pour être, pour moi, enfin, ces derniers temps, pour être un joueur bon. Il manque encore ces petites passes, ces petits détails qui feraient de lui un bon joueur. Et ensuite, j'ai hésité entre Caissier et finalement, j'ai mis Hernandez parce que alors, il fait pas le match de sa vie. Il fait une première mi-temps plus que brouillon. Mais quand il s'allume et puis plus personne ne peut l'arrêter. Il fait quand même le centre à Cannes en première mi-temps pour la tête. C'est quand même le petit joueur. C'est quand même un petit joueur. On sait qu'à tout moment, tout à coup, il y a une étincelle. Et puis, quand ça vient, ça vient. Le problème, c'est que c'est notre latéral gauche. Donc, c'est clair que c'est quand c'est ton latéral gauche qui peut te mettre l'étincelle, c'est que ça part vraiment de loin. Exactement, part de loin. Ouais. Ok. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est ce qui… Ça prouve un peu le problème qu'on a en ce moment. C'est qu'on n'a pas vraiment de jeu. Et puis, qu'on a tout à coup la chance ici d'avoir quand même un joueur qui, individuellement, pour moi, fait la différence. Mais c'est notre latéral gauche. Donc, on a sérieusement quelques petits soucis à régler, je pense. C'est clair. Moi, pour ma part, en top, j'ai mis Rebic en 1 pour son pressing de A à Z jusqu'à ce qu'il sorte de la première minute à la 77e minute. C'est pressing constant. C'est redoutable. Ça va vite, en plus, Rebic. C'est costaud et ça va vite. Voilà, c'est un beau but. C'est un beau but. C'est une belle prestation, encore une fois. Pour un joueur que, punaise, au début de saison, je savais pas, je me suis dit encore un prêt à 2 balles qu'on va laisser, quoi, que c'est en mois de janvier, il repart, quoi. Et le gars, ça fait depuis janvier qu'il cartonne, qu'il met son but à chaque match. Donc, grosse prestation de Rebic encore. Et puis, c'est pas un attaquant. Là, on peut dire que Pioli, c'est on tire devant et on voit ces Rebic là. Rebic, il se crée quand même beaucoup d'occasions. C'est pas un attaquant qui reste stoïque en numéro 9 et qui chope la profondeur et qui va avoir 3 ballons par match. Rebic se crée vraiment des occasions, je trouve. Il descend chercher le ballon comme un pivot. Il fait des appels de balles quand c'est Kier qui est à la récup. C'est vraiment un joueur qui bouge beaucoup sur le terrain. En numéro 2, j'ai Kier sans Romagnoli parce que j'ai trouvé Romagnoli étonnamment faible dans ce match. De Romagnoli qui se fait avoir complètement comme un bleu et Kier ensuite contre la frappe. Mais Kier apporte vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu à Milan depuis Bonucci, depuis les débuts de saison de Bonucci, c'est-à-dire un milieu qui relance. Parce que la charnière Romagnoli-Musaccio, ça fait des passes entre eux, ça fait des passes pour les latéraux. Mais verticalement, il nous manquait un défenseur qui fait des relances. Et Kier, tout le match, mais c'était caviar sur caviar. C'est-à-dire que ce n'était pas une relance pour le défenseur adverse qui trouvait la tête du défenseur adverse. C'est vraiment des belles profondeurs pour Castillero ou pour Akan. C'était vraiment une très belle prestation de Kier qui monte en puissance. Enfin, troisième top, Çalhanoğlu. Alors, comme tu as dit, moi, je ne suis pas du tout fan du joueur. C'est plutôt mon bouc émissaire à chaque match. Je ne supporte pas. Mais là, je trouve qu'il a fait une très belle rencontre avec beaucoup de déchets, hein, quand même. Il ne faut pas oublier, il perd énormément de ballons, je trouve. Mais par contre, c'est lui qui est le plus dangereux jusqu'au but de Rebic. C'est-à-dire que c'est de lui que viennent tous les dangers, tous les décalages, l'accélération du jeu. Sur coup de pied arrêté, je l'ai trouvé très bon. C'est-à-dire que les coups francs, à chaque fois, c'était dans la surface. Ça créait le danger. Ça partait en corner parce que le goal Mirante devait toucher le ballon. Les corners étaient bien tirés. Donc, une bonne prestation de… Pas une très bonne, mais une bonne prestation de Hakan qui mérite ce top 3. Et en tant que motion honorable, j'ai Caissier qui a fait un match très propre. Donc, certains vont trouver qu'il a été inexistant. Moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il était là au bon moment. Bennacer était cramé à partir de la 60e minute. Il ne courait plus. Donc, il a fait les 30 dernières minutes à s'occuper du milieu de terrain. Et voilà, un match propre de Caissier, c'est pareil, il faut le souligner. C'est comme à Cannes.
Et mention aussi spéciale pour Salma Kers, que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, on n'avait pas eu l'occasion de le voir depuis son prêt parce qu'il jouait des 5-6 minutes en fin de match. Voilà, et là, il a eu vraiment du temps de jeu et je l'ai trouvé super intéressant. Beaucoup plus en vue que Castillejo sur cette première mi-temps. Et avec Paqueta, ils ont vraiment permis au Milan de s'imposer dimanche. Moi, Salah Mankers, ouais, aussi positivement étonné. C'est peut-être aussi le fait que Castillejo est passé pour moi hier à côté de son match où il n'y a pas deux passes de suite qui étaient bonnes. Il avait l'air un peu perdu. Cela aussi dû au bon marquage de Spinazzola sur lui, qui lui a vraiment laissé, qui n'a pas laissé la possibilité d'accélérer comme il aime le faire. Et puis à l'entrée de Salah Mankers, le visage de Milan a complètement changé et ça, c'était mention honorable à Salah Mankers pour son entrée. Très bien. Les flops maintenant avec toi, Adrien. Les flops, j'ai mis Jack. Hein. Il était plus qu'invisible. De toute façon, tout ce qu'il a fait, il a raté. J'ai pas les stats, mais le nombre de passes ratées, le nombre de déchets techniques, j'ai rarement vu un match comme ça de Jack. C'est que depuis qu'il a eu sa blessure, ça fait du mal à revenir. Mais là, ouais, hier, c'était incroyable. J'ai trouvé invisible, mais j'ai jamais vu ça. Chez lui, donc après, il y a des matchs qui arrivent. Mais c'est vrai que depuis qu'il a eu sa blessure, il a du mal à revenir. Et là, ça s'est vu sur le match. Là, quand il est sorti à la place de Paqueta, on l'a plus vu en. On a beaucoup plus vu, quoi. Donc, après, ouais, pareil, en flop, j'ai mis ouais, Castillejo. Pareil, encore une fois, là, quand Salah Mankers s'il est rentré, voilà, on a vu la différence. Hein. Ça percutait plus, il y avait plus de vitesse. Ça combinait plus aussi avec le milieu de terrain, je trouvais. C'est Castillejo, ouais, il faisait la même chose, il retournait sur lui-même. Enfin, là, c'est Salah Mankers, il proposait quelque chose de différent. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé pour le coup. Mais par contre, ouais, en troisième flop, c'est ça qu'il a fait. 8 bonnes minutes dans le match, 8 dernières minutes là, mais Hernandez, j'ai trouvé complètement la ramasse sur le match. Ouais, c'est vrai que Théo, moi j'adore le joueur, mais là, ouais, pour le coup, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, surtout, tous les centres venaient de son côté. Et défensivement, j'ai trouvé, ouais, à la rue. Alors quand il faisait passer, il avait du mal à revenir. Il était toujours un peu en retard. Après, c'est vrai que voilà, il obtient le pénalty. Ouais, son match, moi, je retiens que ça, c'est le penalty. Puis voilà, les 8 dernières minutes, voilà, il est un peu plus percutant. Et le reste, ouais, c'est pas son meilleur match, quoi. Hernandez, ouais. J'ai trouvé. Ok, je suis pas. Moi, je reviendrai sur Hernandez aussi, ce qui fera partie de mes flops. Mais je vais le plus se nuancer parce que je trouve que toute sa deuxième période n'est pas à jeter. Mais vas-y, Yann, à toi. Alors, moi, déjà, je vais peut-être juste réagir à Hernandez parce que je l'ai vraiment trouvé loin d'être. Après, c'est clair qu'on peut s'attendre plus d'un tel joueur parce que c'est devenu au fur et à mesure des matchs un peu le joueur sur qui on peut compter. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a un peu beaucoup d'attentes en lui. Ça reste quand même un joueur qui est très jeune, malgré son palmarès et sa Champions League à Madrid qui font de lui déjà un de nos joueurs chevronnés, si on peut dire ça comme ça. Mais non, Hernandez, alors je ne le mettrais vraiment pas dans mes flops. D'ailleurs, je l'ai mis dans mes tops. Et je pense que oui, c'est quand même toujours le joueur qui peut s'allumer et que d'un coup, il peut nous faire basculer un match. Et hier, j'ai trouvé que ça a été le cas. Dès le moment où Hernandez a trouvé sa place un peu sur le côté, c'est là un peu que notre match est devenu intéressant. Pour en revenir à mes flops, j'ai mis Castillejo. Je me suis déjà un peu expliqué sur le sujet. Pour moi, il réussissait pas ses passes hier, dû notamment au marquage des Romains sur lui. Spinazzola était toujours très près de lui, ce qui l'empêchait très souvent il était souvent dos au but. Et puis, il n'a pas pu crocheter ou revenir sur son pied gauche comme il aime le faire d'habitude. Du coup, sans ça, c'est un peu un joueur compliqué qui est assez faible physiquement. Donc, défensivement, on peut compter dessus dans les contacts jusqu'à un certain point. Ensuite, Bonaventura, comme tu l'as dit, Adrien, pour moi, je ne retrouve plus le Bonaventura dont j'étais fan l'année passée. En début de saison sous Gattuso. Et pour moi, c'est clairement, si l'année passée, pour en revenir une autre fois sur ce sujet, mais si l'année passée, on n'a pas réussi à atteindre cette fameuse quatrième place, c'est notamment dû à la blessure de Jack, parce qu'on avait commencé la saison avec Bonaventura au milieu de terrain sous Gattuso, qui était un joueur clé et qui avait une capacité d'orienter le jeu, qui avait un coup de rein également
dans ses dribbles, dans ses passements de jambes que je trouvais juste extraordinaire, une capacité de tirer de loin. Je le trouvais vraiment extraordinaire. Et là, c'est de match en match, je suis déçu et j'ai vraiment peur que notre Jack, on l'ait vraiment perdu pour de bon suite à cette opération. Il va partir sans contrat. Ça me fait un peu de mal parce que c'était vraiment un joueur que, dans son style de jeu et tout, je le trouvais, il s'est sacrifié pour l'équipe et je le trouvais génial. On voit qu'il y a toujours quelques restes, mais on voit qu'il manque cette petite fougue qu'il avait avant, ce petit coup de rein qui lui permettait d'effacer le joueur ou d'être efficace dans les derniers 20 mètres. Et ensuite, moi j'ai Conti, mais je pense que c'est un petit peu de la mauvaise foi. On va pas se mentir. Conti, c'est vraiment de la mauvaise foi de ma part. C'est un joueur, à chaque fois que le ballon arrive de son côté, à chaque fois qu'il doit faire un contrôle, une passe, j'ai de la peine à respirer. Ouais. Non, mais il inspire une certaine insécurité. Typiquement, quand je parlais de Kier, toujours les épaules bien levées, il dégage un certain charisme. Et c'est tout le contraire de Conti, qui de son côté sort toujours un peu dépassé par la situation, peine à la relance. Et pour moi, c'est un flop. Mais après, c'est clairement pas son pire match, on va pas se mentir. Mais pour moi, ça reste un flop parce que j'ai de la peine à. Je suis pas bien. J'ai de la peine à respirer à chaque fois qu'il a le ballon qui doit être là. Conti, c'est loin d'être son pire match. Je suis d'accord. Même je l'ai trouvé vraiment pas mauvais, mais défensivement. Merci Kessié, merci Castillero, merci Selmakers qui ont vraiment apporté du soutien défensif sur Conti. Parce que Conti, quand il est seul à seul face à un défenseur, il se fait passer 3 fois sur 4. Et je me rappelle d'une action du coup où Conti est en 1 contre 1 près du poteau de corner et c'est Kessié qui vient, qui descend faire le ménage, qui récupère la balle et qui se reprojette vers l'avant. Mais Conti a pas été mauvais, a même fait 2-3 interceptions, je crois, assez importantes. Mais il y a cette insécurité, je ressens complètement la même chose avec ce joueur. Pour venir à mes flops, alors moi j'ai mis Bonaventura en 1. J'ai pas grand chose à ajouter par rapport à vous. Voilà, j'ai rien à ajouter, vous avez tout dit. En deuxième, j'ai Léao. Léao, je n'ai pas du tout apprécié son entrée en jeu. Je trouve qu'il était nonchalant sur le terrain. Il y a un contre où il est tout seul, il peut accélérer. Il vient de rentrer. Hein. Il peut faire la différence. On sait qu'il est très rapide. Et puis, il va attendre que les 4 défenseurs de la Roma reviennent pour ensuite faire une passe à un retrait. Je trouve que c'est un joueur qui doit vraiment… Là, on l'utilise comme super sub et il n'apporte pas la différence qu'il devrait apporter à mon sens. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé bon sur son entrée en jeu. Il doit faire mieux, c'est quand même 35 millions d'euros de dépensés. On a eu la stat là, dès qu'il a marqué la semaine dernière où il a fait son comme ça là, pour le Black Lives Matter. Après, on a compris. Mais c'est 3 buts en 23 matchs quand même, Léao. Donc je trouve, et j'ai entendu ça sur un podcast ce matin milanais, un joueur de 19 ans qui est nonchalant, c'est quand même problématique, en fait. On ne peut pas avoir ce genre de joueur dans notre Milan. Le Milan a tout sauf besoin d'un joueur de 19 ans nonchalant qui prend de haut le club. Et je trouve qu'il a vraiment pas été, il a pas été bon sur son entrée en jeu. Mon troisième flop, je le nuance du coup, c'est Théo Hernandez, mais j'ai mis entre parenthèses la première mi-temps parce que j'ai trouvé que… Il a mis du temps avant de rentrer dans son match. Pareil, un côté nonchalant. Je le vois trottiner sur une action de la Roma qui part de son côté. Et il trottine alors que le joueur est devant lui. Mais il s'est bien rattrapé en deuxième période. J'ai trouvé très bon en deuxième période, Théo Hernandez. Enfin, très bon au niveau qu'il a d'habitude. Donc voilà. La première mi-temps de Théo Hernandez parce que je suis resté un peu sur ma faim. Voilà messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce match ou tout est bon pour vous? Non, bon. Si, juste, ouais, c'est vrai que Léo, je l'ai pas mis dans mes flops, mais ouais, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, mais avec Léo, après ça c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que moi le seul match vraiment qui m'a vraiment plu de Léo, c'est face à la Fiorentina, où on se mange un 4-2, un 4-1, je sais plus, où il met un but. Il se fait la tout seul, quoi, mais c'est vrai que là, sur l'action, qu'on a parlé tout à l'heure aussi, là,
C'est qu'il va se coincer dans un côté, il y a quatre mecs qui reviennent sur lui, alors que deux secondes avant, il aurait pu faire la passe, vraiment une passe, je crois que c'était Paqueta qui arrivait au milieu. Et c'est vrai qu'il vient s'enfermer, il vient faire des petits gris-gris, il s'enferme, parce que voilà, l'action, elle est morte. Et c'est vrai qu'il a ce côté nonchalant que personne n'aime, hein. On va pas se le cacher, mais c'est vrai qu'on attend plus d'un joueur que, comme tu disais, ouais, voilà, il faut quand même, enfin, on a quand même acheté 35 millions. C'est vrai qu'on attend plus de lui, quoi. Ouais, totalement bien. D'accord sur Léao. Je voudrais presque aussi réagir sur le joueur qui depuis le début, pour moi, fait des rentrées nonchalantes. Alors, ça peut être un style de jeu, quelque chose, mais pour moi, j'ai l'impression qu'à 19 ans, quand tu entres dans le foot, tu dois montrer que t'as envie de tout manger, que t'es là, que t'es pas là pour rigoler. Léao, il a déjà un petit comportement de star qui, pour moi, n'a pas lieu d'être à 19 ans. Au vu de son niveau en plus. Je remets pas en cause le talent du joueur, parce qu'on l'a vu, comme tu as dit, face à la Fiorentina, ou certaines fois sur des actions, je reste bouche bée sur certains dribbles, certaines choses qu'il est capable de faire. Mais pour moi, un joueur qui a l'opportunité de rentrer 20 minutes à la fin d'un match, il doit rentrer comme l'a fait Salamanker, c'est-à-dire vraiment le couteau entre les dents et puis aller au combat. Et Léao, il rentre sur un terrain comme une vedette, ce qui n'a pour moi pas lieu d'être, tout simplement. Très bien. Bon, on va refermer la page du match de ce week-end pour se consacrer à présent à notre débat. Donc, chaque semaine, nous nous exprimerons en effet sur un sujet qui fait l'actualité de l'AC Milan. Donc, messieurs, on va rapidement revenir sur la probable prolongation de Çalhanoğlu jusqu'en 2024. À noter qu'il a un salaire annuel de 2,5 millions, ce qui le place, je crois, à la 6e ou 7e salaire du club. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le Milan, cette prolongation? Adrien, je te laisse commencer. Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce que, de mon point de vue, c'est que moi, le joueur, je suis pas fan. C'est vrai qu'il m'a beaucoup déçu depuis son arrivée en 2017. C'est vrai qu'il faut savoir qu'à Cannes, la Milan, c'est 113 matchs, seulement 18 buts et par contre, voilà, 30 passes décisives. C'est des belles stats sur le papier, c'est pas mal. Moi, c'est surtout le, c'est vrai que sur le papier, ça va, mais c'est vrai que quand tu regardes les matchs. Le contenu. Voilà, le contenu, c'est vrai que voilà, c'est pas fou, c'est vrai que c'est, sans parler des derniers matchs où il a plutôt été bon, surtout, contre les Tchèques, enfin, ça, voilà. Mais, c'est vrai que c'est beaucoup de déchets, des coups francs, on a le Hakan, voilà, du Bayern, de Hambourg, c'était des coups francs de 30, 40 mètres. C'est vrai que, par exemple, sur les coups francs tout bêtes, voilà, il est passé à 20 mètres, voilà, c'est au-dessus, c'est dans le mur, voilà. C'est vrai qu'il va avoir des matchs vraiment, vraiment bons, percutants, il va apporter des choses, mais voilà, c'est vrai que ça, c'est un match sur trois, quoi. La plupart des matchs, c'est pas le Hakan qu'on aimerait voir, quoi. Après, c'est vrai qu'avec la probable arrivée de Rani, j'ai quand même envie d'y croire, un sort de renouveau d'Hakan à Milan. Voilà. Moi, je serais pour une prolongation. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, là, hein, c'est quoi, ça sert de 5 millions, c'est ça? Ouais, 2,5. C'est ça. Enfin, donc, c'est vrai que c'est pas le salaire le plus élevé du club non plus. Moi, je serais pour. Après, voilà, c'est vrai que je suis pour parce que Rannick, il arrive. Un coach, voilà, qui a coaché avec Leipzig en Allemagne, Hakan a joué en Allemagne. Voilà, c'est vrai que j'ai envie de croire par rapport à ça. Mais si ça aurait été un autre coach, voilà, c'est pas sûr que j'aurais dit, oui. D'accord, ok. Yann? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ok. Oui, alors, dans l'ensemble, je suis totalement d'accord avec ce que dit Adrien. Pour moi, à Cannes, ça a toujours été une énigme. Arrivé à Milan en 2016, je me suis vraiment dit, un jeune joueur qui a quand même du talent brut, je trouve. Il a des. Techniquement, il est fort, il est capable de jouer les coups de pied arrêtés. J'étais vraiment plein d'espoir en ce joueur et j'ai été déçu. Mais finalement, je me dis que si le joueur est toujours titulaire et puis si on regarde ses stats, en vrai, c'est plutôt des stats. C'est pas de mauvaises stats. On va pas dire que c'est d'excellentes stats, mais c'est pas de mauvaises stats non plus. Et je me dis que le joueur a quand même du talent. Et là, on le voit que quand il est en confiance, il l'a été aussi sous Gattuso, je crois, la saison passée ou la saison d'avant, je me souviens plus exactement. Quand le joueur est en confiance, il a quand même cette capacité de parfois faire la différence. Et j'ai aussi envie d'y croire. Et une autre chose qui me fait dire que j'ai envie de le prolonger,
c'est que j'ai pas envie que j'ai l'impression que là dans l'équipe il commence à avoir un petit noyau, certains cadres, certaines personnes importantes qui sont Kessié, Romagnoli, Donnarumma, Hakan qui ont fait partie pour moi aussi. Et j'ai pas envie de tout recommencer de nouveau depuis le début. J'ai l'impression que c'est un peu la grosse erreur qu'on fait. C'est à chaque mercato, on faut qu'on vide un maximum notre effectif qui est pas à la hauteur. Et au bout d'un moment, je me dis, dans d'autres grandes équipes qui ont réussi, c'est pas parce que le joueur ne, on a laissé du temps aux joueurs pour arriver au niveau où ils sont arrivés. J'ai pas envie de tout à nouveau recommencer. J'ai l'impression qu'Akan fait un peu partie de ce noyau dur et j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Ok. Moi, si je peux rajouter quelque chose sur Akan, donc toi, vous le prolongez tous les deux. Moi, je le prolonge aussi, mais pour des raisons purement budgétaires. C'est que pour moi, Akan, c'est un joueur qui a une belle cote à l'étranger. Comme l'a dit Adrien, si on regarde ses statistiques, c'est loin d'être dégueu. Donc, c'est un joueur, si on se projette dessus, un club anglais, un club allemand, où il a plutôt une bonne cote, c'est un joueur qui peut être intéressant. Je trouve actuellement, là, je viens de vérifier sur Transfermarkt, sa cote, elle est à 14 millions, ce que je trouve très faible, sachant qu'on l'a acheté 23 ou dans les 20 millions, je crois un peu plus. Donc, pour moi, en le prolongeant, je pense vraiment, j'y crois aussi avec Rangnick, je pense vraiment qu'il peut être un élément fondamental de l'équipe de Rangnick et surtout je pense qu'il peut vraiment faire mieux et dans une perspective de revente où on peut peut-être en tirer plus d'argent parce que je pense qu'il ne peut pas aller plus bas que 14 millions, il a 26 ans à Cannes. À Cannes, il est pas vieux, il n'a pas 29 ou 30 ans. Donc je pense que il a que 26 ans, donc pour moi il a encore une marge de progression devant lui. Voilà, et je pense vraiment il lui manque cette saison à 6-7 passes décisives et 5-6 buts où vraiment il prendra de la valeur marchande et là on le revendra parce que je pense que c'est pas un joueur qui est autant attaché à notre club que Donnarumma ou que Romagnoli. On l'a vu faire les yeux doux au Bayern, parler de Ligue des Champions, etc. Je pense que c'est un joueur, il a sa bande de potes au Milan, c'est certain, on le voit. Après, si un gros club est intéressé, il partira sans scrupule. Donc, j'aimerais juste qu'il fasse sa saison avec Rangnick pour qu'il prenne sa valeur marchande et qu'il parte à un bon prix pour nous, pour éviter de perdre trop d'argent. Voilà, messieurs. Donc, on va conclure là-dessus. Merci d'être intervenus. On va se donner rendez-vous pour la prochaine rencontre face à la SPAL, du coup, mercredi. Et bonne soirée à tous. Ciao. 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 Salut.